Bonjour, mon instant coup de cœur pour le livre de Janet Seklin Charles, intitulé « Une soif de livres et de liberté », paru chez Jean-Claude Lattès en 2020. Traduit de l'anglais « États-Unis » par Freddy Michalski. L'auteur Janet Seklin Charles est originaire du Montana et depuis 1999, elle vit à Paris et travaille pour la Bibliothèque américaine. Elle a vécu 2 ans à Odessa, en Ukraine, où elle a enseigné l'anglais. Cette expérience lui a inspiré un premier roman mordant, « Les fiancés d'Odessa », déjà publié dans une douzaine de langues. Son nouveau livre, « Une soif de livres et de liberté », nous emmène entre réalité et fiction. Un roman mêlant faits historiques et personnels. Une histoire un petit peu méconnue, sur fond d'occupation nazie, qui s'inspire de personnages ayant existé. Notamment l'auteur, c'est son histoire un peu romancée. Le décor est bien réel, c'est l'ALP, American Library in Paris, la bibliothèque américaine à Paris, dirigée dans les années 30 par une certaine Mrs. Reader. Que s'est-il passé pendant la Deuxième Guerre mondiale dans ce lieu tranquille et paisible dédié aux livres? L'auteur nous le révèle dans ce récit follement romanesque. L'héroïne, Odile Souchet, 20 ans à peine, s'épanouit dans son travail à cette bibliothèque, où elle côtoie la fameuse et courageuse directrice Dorothy Reader, qui a vraiment existé. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, la jeune femme risque de tout perdre, y compris sa chère bibliothèque. Alors que les nazis envahissent Paris, Odile et ses amis s'engagent dans la résistance avec leurs propres armes, les livres. Inspirée de la vie de ces amoureux des mots qui ont pris le risque d'aider des lecteurs juifs, ce livre explore la géographie des sentiments, les conséquences de choix irréversibles et nous enseigne comment le courage peut surgir en des lieux et circonstances inattendues. L'auteur nous emmène à la fois entre Paris sous l'occupation et dans un petit village du Montana des années 80, deux mondes opposés, reliés par un fil invisible, l'amour de la littérature. En effet, pendant les années 1940 à 44, la bibliothèque américaine ne fermera jamais ses portes. Elle était probablement le seul endroit dans l'Europe occupée où l'on pouvait lire librement des livres en anglais. Nichée dans une rue pittoresque du 7e arrondissement de Paris, pas loin de la Tour Eiffel, la bibliothèque s'est imposée au fil des ans dans le paysage culturel de la capitale. Avec plus de 120 000 livres et 500 périodiques, c'est la plus grande bibliothèque de prêt d'ouvrages en anglais d'Europe continentale. Elle a vu défiler dans ses salons de lecture nombre de personnalités littéraires américaines tels que Edith Wharton, Ernest Hemingway ou Gertrude Stein. L'institution a fêté en 2020 son 100e anniversaire et continue de jouer un rôle phare pour nombre de familles d'étudiants et d'amoureux de la littérature. Après les horreurs de la Première Guerre mondiale, la bibliothèque a commencé à se développer, attirant l'attention par le caractère spécifique américain de son approche. L'accès libre au rayonnage était encore rare à l'époque en France et ses heures d'ouverture parfaitement inhabituelles, ouvertes sans interruption 12 heures par jour et des salles de lecture accessibles même le dimanche après-midi. Elle ne fermera jamais. Et en 1940, la bibliothèque avait expédié 100 000 livres à des soldats britanniques et français affectés en France, aux légionnaires en Algérie et en Syrie. La plus grande partie du fonds original a été donnée par le Library War Service. Pendant l'occupation, le personnel prit tous les risques
organisant sa propre résistance, comme le régime nazi, en mettant en place un service clandestin de prêt d'ouvrage à ses membres juifs, auxquels on avait interdit l'accès de toutes les bibliothèques de France. Au cours des années qui ont suivi la libération, Paris et la bibliothèque américaine ont accueilli une nouvelle génération d'écrivains américains. Elle est en constante évolution. C'est une enclave pour ses membres et son équipe d'Américains en proie au mal opéri. Un lieu formidable pour apaiser ses maux, fournir un sentiment de communauté à nos membres expatriés, mais aussi créer des liens avec Paris et inspirer un échange interculturel. Prochainement, la bibliothèque américaine va faire l'objet d'une importante rénovation afin de proposer plus d'espaces de travail et de lecture. Mais sa mission reste la même, proposer un havre de paix à tous les amoureux de la pensée et de littérature américaine, au cœur de la capitale française. Intéressant. Roman qui est disponible à la médiathèque. Nous vous attendons pour le découvrir. Ce roman est pour tous les passionnés et les amoureux des livres. Je vous le conseille et je vous dis à bientôt.